Donc Nourva, désolé, j'ai complètement oublié d'enregistrer. Je suis navré. Bon, vous avez loupé quelques guerres qui vous auraient probablement plu. La première, c'est ma première guerre sainte que j'ai fait, que j'ai gagné contre eux. Donc j'ai récupéré ça. Et la deuxième, c'est que j'ai récupéré ici en Sicile. Hein, donc, mais j'ai complètement oublié d'enregistrer, donc je suis vraiment navré. On va dire que c'est les aléas du direct. Quand on filme, voilà, c'est... Le problème, c'est que j'ai pas le droit à réessayer. Hein. Voilà, par contre, moi, ce qui m'interpelle quand même... Ce qui me fait quand même bien marrer... C'est qu'il hérite du titre... Or que c'est moi quand même qui ai un enfant. Il faudra qu'on m'explique quand même. Oh, je tuerai lui de Bretagne. Oh oui. Bretagne, ça sert à rien que je le tue. Utilité de tuer, aucune. C'est ça en plus, hein. Franchement c'est ça. En plus Pise, oh là. Ça va être la catastrophe pour Pise. Voilà. Maintenant, Pise, déclaration de guerre, je revendique ce que tu m'as piqué dernièrement. Donc je suis encore vraiment désolé de vous avoir complètement oublié de filmer ça, je suis désolé. J'ai parié dans le vide pendant 20 minutes et tant que je me rends compte en fait j'ai oublié de filmer, ben voilà. 20 minutes de jeu. Toi fais gaffe. Carrément que des troupes en Bourgogne. Voilà, et hop. Et ici, hop. Voilà. Donc, je suis encore désolé d'avoir oublié de filmer. Je crois que je m'excuserai pendant toute la vidéo, mais c'est... Là, on peut m'appeler Boulette, là. Hein. Je suis Mister Boulette, quand même. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Oh, je t'étreve un peu avec tout le monde. C'est normal. Bon, on va mettre le roi ici. Ouais, t'as meilleur temps d'arriver. Je sais pas. On va voir bien comment la guerre va se diriger. Hein. Ouais, c'est marrant. Et il y a aussi une guerre, là vous avez remarqué que la Hongrie a quand même beaucoup de territoire, et il y a une guerre contre la Russie. Elle se fait balayer, donc voilà, je vais se débrouiller. Je suis méchant. Ils sont pas en guerre les deux là. Non, si ils sont en guerre. Mais bon. Bon normalement. Oui ouais. Il me prendait un coup. Là je profite vraiment du fait des terrains qui m'arrangent d'ici. Faut... Parfait. Patient. Patient, je gagne en défense de mémoire, c'est ça. Thank you.
Bon bah une nouvelle victoire. Bon, on va aller détruire cette armée. Voilà. J'ai exactement 9000 piquiers. Donc 4500 piquiers, 2800 infanterie lourde et 3700 archers. Le 2, c'est le prix en fait que coûte l'unité hein, dans votre escorte. Et voilà. Ah, Pise, ça sera bientôt pareil aussi. Voilà, balayer, Pise. Le roi d'Alani, je sais pas si c'est une bonne idée. Personnellement, je pense pas, mais bon. Donc voilà, nous venons de récupérer une partie encore de Salerme, c'est magnifique. Donc voilà, c'est... Je récupère des parties en fait un peu de partout, c'est ça qui est marrant. J'ai plein de comtés. Ouais, j'ai d'autres comtés aussi. Bon, on va laisser le temps s'occuper de ces comtés hein, c'est trop que bordel là. Je vais pas mentir, c'est vraiment que bordel. C'est vrai que depuis un petit moment là, depuis que je suis devenu aussi fort, ben le Saint-Empire est plus venu m'embêter. Alors créer ce titre me coûterait 58, me coûterait 502 pièces et 400 de piété. Me manque de la piété. Il faudrait que j'en ai un tout petit peu plus. Bon, ça ne saurait tarder. Hop, dépêchez-vous d'aller là. Parfait, tout s'améliore. Bon, faut dire quand même que nous... Il n'y a pas à nier, nous avons quand même un bel empire. Oui, ça me gêne pas de perdre de l'argent maintenant pour des technologies. 1100 hommes, j'ai exactement. Piqué. Donc les piquets c'est considéré comme de l'infanterie lourde, d'accord, j'étais pas au courant de ça donc... Après voilà, coutume populaire, tolérance, majesté, majesté, allez hop. Comme ça je gagnerai plus de piété, pas beaucoup de plus. Non. Allez, on récupère Lusignan. Bon, faut être honnête, j'ai pas besoin d'aide pour les guerres. Vu les guerres que je m'amuse à faire, c'est pas les guerres qui demandent beaucoup de troupes. Hein. Je prends ma petite escorte personnelle, j'y vais, j'explose les armées ennemies et on repart. En gros c'est ça, franchement j'exagère pas mais c'est ça. Titre usurpé, je sais pas pourquoi il se plaint, j'ai pas usurpé de titre de mémoire. Voilà, flanc gauche gagné, flanc... J'ai pas envie de mieux comprendre, voilà.
Et les batailles aussi nous permettent d'améliorer bien évidemment notre technologie militaire, la recherche de technologie militaire. Ah, nous avons déjà gagné, c'est plus drôle. Nous gagnons aussi vite. Bon. Là, n'est pas le problème, là, c'est vraiment autre chose qui... C'est... Évidemment, ça va à fond. Et hop. Plus le temps passe, plus l'escorte est grande, hein, bien évidemment. Ça, je crois que vous en étiez douté. Et toi, t'es libéré. Et toi, t'es libéré. Je te rends même un cadeau, comme ça, t'arrêteras de me faire la gueule. Constater que j'aide vraiment beaucoup les 2000 de précision, moi ça ferait mal. Je veux Van. Voilà. Mon épouse a accepté, c'est parfait. Franchement, ils devraient donner une indemnité quand ils refusent les gens, ça serait marrant. Tu n'es pas venu en guerre, indemnité, 2000, boum. Ouais, ça serait peut-être quelque chose de pas mal qui aurait dû être implanté dans le jeu. Orthodoxe. Et maintenant, c'est à qui possède le lieu. Et le royaume de Castille a 20 000 hommes, ouais, c'est énorme. Dijon, ici, Berne, allez hop. 7000 hommes d'Olvé, rien qu'avec ça. Ici, Luxembourg, je crois que c'est un duché aussi. Ici aussi, Rouen, c'en est. Voilà. 15000 hommes d'Olvé. Je viens de faire une petite levée de troupes. Faut dire ce qui est, je veux quelques hommes. C'est assez gentil avec tout le monde. Tiens, j'ai pas le caractéristique, c'est dommage. J'aimais bien être gentil, moi. Bon, hop ça. Vitesse. Ah, ils se dépassent très vite avec le centre. Il y en a qui a vitesse de dépassement. Ouais, pour les sons, là, non, ça, ça. Bon. Toujours en train de se plaindre. T'as du bug, je pourrais te tuer. Que je suis une mauvaise pote, j'assassine les gens, moi. Tu es cruel. Alors là, Castille. Je sais pas combien de... Voilà. La Castille vient de mobiliser toutes les troupes qui restent. Hein, Bon. J'aimerais rapidement en fait les troupes là de Paris. Il y en a qui ont déjà deviné pourquoi j'ai besoin de ces troupes. Hein. Comme ça on fusionne ces deux armées. Et on y va. Hein. Avec moi on rigole pas. Hein. On... 25000 hommes, on y va.
C'est très équitable cette guerre. Je peux avoir 66 000 hommes. 66 000 hommes. Le Kaiser en a à peine 26 000. Ok, le Kaiser vient de mourir d'ailleurs. Donc ils ont élu un nouveau Kaiser. Allez hop. Moi j'ai envie de dire, tu repars. Je t'expose tout ce que t'as là. Voilà. Je te poursuis, je te tue les hommes qui te restent. Ou pas. Voilà, victoire. Ouais, c'était rapide mine de rien. C'était rapide. Et on libère. Par principe, la guerre est terminée. Donc on... Voilà. Et notre petit host va se reconstituer lentement. Ça me demande 9,20 par mois, mais ça me gêne pas, je trouve. 9,20 par mois pour reconstituer. Voilà. Vas-y, laisse-moi m'arriver. Je suis en train de m'allier en fait un peu à tout le monde. J'ai plein de sœurs. Bon, je crois que l'Irlande a récupéré quelque chose ici. Ou à moins que ce soit le duché de Munster qui soit vert. Ce qui peut être le cas hein, aussi. Mais bon, c'est... Ah, c'est nul. Qu'est-ce qu'il... Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Une bonne question, c'est où je fais ma prochaine guerre. Je ne sais pas à qui je vais faire ma prochaine guerre. Pour la Finlande direct, non? Non, pas à Finlande direct, je sais pas. Y'a pas grand chose en Finlande, faut pas mentir, mais pourquoi pas d'un coup. Ça fait quoi, un royaume entier à peu près, duché de Finlande, ouais. Pourquoi pas. Ils vont me fournir leur navire. Voilà. Je sais pas combien d'hommes il peut avoir, la Finlande, là, je regarde. 7000 hommes. C'est tellement peu. Peut-être une guerre encore facile. En tout cas... J'espère en tout cas que là, toutes les guerres que je fais, ça vous convient. Parce que mine de rien, j'en enchaîne des guerres sur des guerres. Là. Donc, j'espère en tout cas que ça vous convient, toutes ces guerres. Hein. Encore plus de... Ouais, pourquoi pas. On gagne tellement d'argent, c'est ça que moi je trouve qui est incroyable, c'est qu'au début, rappelez-vous, quand on gagnait un tout petit peu d'argent, qu'on avait quasiment rien en argent, et regardez maintenant ce qu'on gagne, c'est... Waouh, j'ai envie de dire. C'est énorme.
pas de Cassius Belli. On débarque ici. Oh, il s'usurpe les titres encore. Ah oui, une chose importante, c'est essayer d'éviter que vos vassaux deviennent trop puissants. Ça arrive parfois qu'il y en a qui récupèrent énormément de titres, il faut dire ce qu'il y a. Et le problème quand il y en a qui récupèrent trop de titres, c'est qu'ils deviennent un tout petit peu trop forts. Hein. Pour un exemple tout con, vassaux, je dois en avoir des vassaux quand même. Je sais pas où, vassaux. Là, par exemple, je sais où on va voir. Ici, vassaux, 3000 hommes. Maximum, c'est 3800. C'est pas beaucoup. Imaginez, par exemple, au stade où j'en suis, je pourrais déjà avoir des ducs qui pourraient largement soulever 5000, 6000 hommes. En déléguant des... Ouais, en déléguant des duchés à beaucoup plus de personnes, vous évitez justement ce problème-là. Et c'est en plus, étant donné que vous avez... Oh tiens, je viens de rendre compte d'un truc. Mais je n'ai pas Ascalon. Déclare la guerre. Il y avait quelqu'un qui résistait dans mon pays. Donc ouais, c'est... Voilà. Premier juin ils arrivent, le 13 juin, d'accord. Donc un certain matériel de siège vont augmenter dans cette province, parfait. Trop tard. Non mais c'est ça en plus, c'est vraiment trop tard quand il bouge. Un 4 troupes en défense, c'est... Et par curiosité, il peut soulever combien d'hommes? 120 000 hommes. Si je continue à me fortifier comme ça, je pense qu'il serait peut-être possible que j'aille aider de... Très bien, j'ai tué quelqu'un. Il est peut-être possible que je participe à la prochaine guerre sainte pour essayer de récupérer Jérusalem. Ça sera pas une guerre facile par contre, ça je vous le dis tout de suite, ça sera une guerre vraiment complexe. Mais bon, si on arrive à récupérer Jérusalem... Ah, c'est le champagne. C'est vraiment le champagne, là. Allez, on reconstitue nos troupes. Hop, on se magne. Voilà, maintenant on bouge. Non. Hop, t'es libéré. Disons, en libérant les gens, vous augmentez un peu l'opinion de vos vassaux. Voilà, vous vous libérez, voilà, ça fait du bien. Oh, c'est pas quelqu'un de cruel, c'est bien. Parfois, ça peut avoir... Par contre, faut faire gaffe à qui vous libérez. Par exemple, j'ai libéré la comtesse d'Auxerre. Je sais que ça peut se retourner contre moi. Je sais que ça peut se retourner contre moi, donc... Faut voir à qui, en fait, vous faites ça. Donc réfléchissez bien avant de faire ces petites, entre guillemets, guéguerres. Hein. Libération de personnes, excusez-moi. Éduquer... je vais éduquer moi-même. Ouais, je suis plus équilibré, donc je... Oh là là, la déculotté qui vient de se prendre. Je
fait déjà amarrer les navires ici. Comme ça, une fois qu'on aura fini, je pourrai les dissoudre sans les perdre. Après, je pourrais complètement m'en balancer. Mais bon, je suis pas quelqu'un comme ça. Il me faut de toute façon après il me faudra les navires donc pour revenir en France, donc au final j'en ai besoin. Là je suis en train de percuter, j'ai toujours pas créé la revendication sur Suze depuis deux vidéos. Donc voilà, c'est... Ah bah voilà, la guerre est gagnée, ouais. Oh. Yuyuchi, vous m'avez compris, hein. Oh, ça va être le bordel. Lui c'est Tsubi là. Allez non, on va faire ça puis après on va se laisser là dessus. Ici c'est Ostroso, Ostroboni. Ici je pourrais quasiment lui donner en fait, c'est duché de Kemi. Tiens, prends Kemi comme ça. Ouais, j'ai même pas envie de m'embêter en fait pour peut-être Luciane, c'est Savoni. Ah, j'ai oublié de leur donner ça, d'accord. Ouais, on leur donne. Bon, on a gagné cette guerre, hein. On va regarder un peu ce qu'il me reste, comté de Tarente. Faudrait qu'on refasse une guerre à Venise pour récupérer ce qui me manque. Comté de Serme, je peux déjà lui accorder. Béarn, je sais pas c'est où Béarn. Béarn c'est ici, donc je redonne. Et puis voilà. Et puis on nomme au nouveau chapelain de la cour. Voilà, on cherche ici. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Ah, mais non. Je sais ce qu'on va faire. Avant de nous quitter, on va créer le titre de l'Empire de France. Et voilà. Un tout nouvel empire vient d'être créé. Donc les lois, donc bien évidemment un acte nico-conatique, hein, voilà. Et maintenant, c'est mon titre principal. Je suis devenu empereur. Donc voilà. Empereur Charles II. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Et je m'excuse encore d'avoir oublié de commencer à enregistrer tout à l'heure. En tout cas, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.